Bonjour Tulessa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir un nouveau vlog. On est mardi 16 février. J'ai pas su vous reprendre avant. Je pensais vous reprendre au moins samedi, mais je vous ai pas repris. Du coup, j'ai profité de mon week-end et de mon lundi parce que j'avais Florian, enfin Chrono, comme vous avez vu. Sur la vidéo de lundi, j'espère que vous avez été la voir, elle est trop chouette. On se fout de moi encore une fois sur la chaîne, voilà, allez voir, c'est du foutage de ma pomme. C'était trop marrant, on a tourné ça du week-end, on a tourné ça samedi? Samedi, dimanche, je ne sais plus, enfin, soit on a tourné trois vidéos. Qui je suis pour les Pokémon. On devait faire deviner les deux cartes les plus rares du paquet. Et on avait deux paquets chacun. On était trois, moi, enfin, mon chéri, Chrono et moi. Et c'était très chouette, on a bien rigolé. Ils se sont foutus de moi avec Voltoutou. Si vous l'avez déjà vu, la vidéo, vous comprendrez. Allez la voir. C'était trop chouette. On a passé un bon moment, ça faisait du bien de ne pas les voir jouer aux jeux vidéo, quoi. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, j'ai profité de Chrono. Lundi pour moi toute seule, on va dire ça. Voilà. Enfin, il a monté la vidéo tant que moi je faisais des trucs chez moi. J'ai arrangé pour savoir vous prendre aujourd'hui. Voilà. J'ai fait quelques ménages hier que je devais faire aujourd'hui à la base. Voilà, que j'ai fait aujourd'hui. Et moi ici aujourd'hui il me reste juste faire les litières de chat. Mais monsieur doit aller rechercher de la litière cet après-midi. Enfin cet après-midi. Après ou ouais, après-midi. Après son boulot, quoi. Voilà. Et en même temps, je voulais vous revenir. Je suis toujours dans Love in Lingerie de Alexandra je sais pas comment ça se dit. De chez Hugo Poche dans la collection Nous Romans. Voilà, il est beau la couverture. J'ai quand même avancé, je suis à 100 pages. J'adore toujours les petits chapitres là avec. Voilà. Je vais pas trop vous en parler. C'est l'histoire de. Je sais plus comment il s'appelle. En fait, c'est un magasin de lingerie, comme vous pouvez. Je sais pas si ça. Ouais. Et il doit redresser sa société pour pas faire faillite. Ou c'est l'inverse. J'ai un doute parce que j'ai pas lu hier et samedi. J'ai lu que samedi. Du coup, j'ai un doute. Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est. Et il prend une femme pour redresser la barre. Et du coup, il est marqué qu'il doit pas tenter à la tentation. C'est ce qui est marqué là. Comment résister à l'interdit? Oui, dans ses critères, la règle numéro 1, c'est de pas tomber amoureux. De 2, c'était pas d'amitié avec son personnel. Voilà. Et franchement, c'est assez chaud. Je ne le conseille pas aux enfants. C'est un comédie romantique. Évité au. C'est pour adultes. Hein. C'est clairement adulte. Pas. Voilà. En fait, il n'y a même pas de. Non. Franchement, voilà. J'attends cet après-midi pour le dévorer. Là, j'ai une petite demi-heure pour bouquiner. Parce que là, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog précédent, ma mamie a une attelle plâtrée. Du coup, aujourd'hui, je vais aller lui donner un coup de torchon. Comme la neige a disparu et pour que le sel n'attaque pas les carrelages non plus et tout ça, je vais aller lui donner un coup de torchon. Je vais juste donner un coup de torchon, ça va aller vite, hein, c'est pas ça, mais. Voilà quoi, je vais juste aller donner un petit coup de torchon pour l'aider. Comme ça sera fait, et elle se sentira mieux. Elle retourne vendredi chez je ne sais plus c'est quoi, Spistalik ou enfin
ce qu'il fait pour, enfin, ce qu'elle doit faire, je ne sais pas c'est qui, mais enfin, soit elle doit aller, elle retourne vendredi à l'hôpital pour voir si on lui retire ou pas. Voilà, je sais tout ce que je sais vous dire pour le moment. Elle me dit qu'elle a encore mal. Elle ne bouge pas, elle reste assise dans son fauteuil avec son pied un peu plus en l'air. Elle marche juste pour faire à manger et aller aux toilettes. Et encore, mon papa vient, comme il mange avec elle, il fait la plupart des choses pour qu'elle n'a pas à rester beaucoup debout sur son pied. Voilà quoi. C'est compliqué quoi de gérer quelqu'un qui est toujours en route quoi. Parce que ma mamie, elle fait toujours plein de choses du coup. Et des fois, on se demande quand elle se repose quoi. Voilà. Mais j'aimerais le terminer parce qu'il n'est pas gros. J'aimerais bien le finir pour, ici pendant les jours qui restent de semaines de vacances. À part aujourd'hui, logiquement, je n'ai rien de prévu. Du coup, à part un peu de ménage le matin, j'aurais bien voulu faire un live. Je sais même pas s'il l'a changé du coup. Je crois que je lui montre. Je vais taper chrono. Faudrait que je fasse un message après. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire un live, c'est ce que je disais, sur les Sim 4, je sais pas quand, jour de semaine. Voilà. Bon, je regarde mon chat qui s'étend. Je suis encore un peu dans le gaz ce matin. Oh, parce qu'il est 8h30. Du coup, voilà, je suis encore dans le gaz. Je me suis apprêtée, j'ai déjeuné. Je me suis occupée des monstres de la maison. Voilà. Je suis à l'ouest. J'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Enfin, quand même. Il y a un jour, j'ai. Vendredi à samedi. J'ai dormi quand même, bébé. Mais samedi et dimanche, j'ai un peu moins dormi. Et voilà, je suis fatiguée. Voilà. Et voilà. Je n'ai plus rien à vous raconter. Du coup, je vais conclure ce vlog. Non, je rigole. Je vous reprendrai tantôt ou demain. Là, je vais lire quelques pages en attendant qu'on vienne me chercher. Parce que c'est mon papa qui vient me chercher. Pour me déposer chez ma mamie. Comme ça, je vais pas à pied. Parce que j'ai quand même une demi-heure. J'aurais dû partir là maintenant pour aller chez ma mamie à 9h. Voilà. Et j'ai pas envie de marcher. J'ai flat aujourd'hui. Et puis il fait pas très 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 chaud, hein. Pourtant je sais que ça me ferait du bien, je le sais. Mais voilà quoi. Du coup voilà. Et j'adore, c'est. Je le répète et je le répète, mais j'adore être dans la bibliothèque, c'est trop beau. Vivement que j'en ai une déjà. J'aimerais bien. On n'arrive pas à trouver ce qui nous plaît pour déménager au plus vite, quoi. Voilà, j'aimerais déménager. Une petite maison. Voilà. J'entends mon chat qui se lave. Bon, je vais vous laisser. On se retrouve plus tard. Allez, tantôt. Bonjour, ma petite Luciole. Je reviens dans ce vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. Mardi 17 février. J'ai un doute en fait. Non, on est mercredi. Excusez-moi. Aujourd'hui, je suis à l'ouest. On est mercredi. C'est pour ça. Ça va trop vite les jours. Ça passe trop vite. On est mercredi 17 février. Du coup, je vous reprends ce vlog pour vous parler de. Une chose que j'ai reçue lundi. Hier, j'ai reçu un truc qui n'avait pas été dans ma box livresse de. Il y a 2 mois, je crois. De janvier. Là, le box du petit colis. Je vous avais dit, j'avais eu un problème. J'avais pas reçu le bon livre. Je l'ai reçu aujourd'hui. Hier, pour vous. Enfin, oui, hier. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer d'abord le livre. J'ai reçu à la place d'un. J'aurais dû prendre le livre un jour en décembre que j'ai lu et qui est terminé. Que j'ai déjà mis mon avis sur un des vlogs. Et
Celui, je l'avais eu dans la box et je l'avais acheté. Et du coup, je l'avais en double et il est sur Vinted. C'est vrai que je voudrais mettre mon lien Vinted si vous voulez. J'y pense jamais. Et du coup, j'ai reçu le bon livre qui devait être dans la box. C'est Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent. Voilà. De chez J'ai lu et c'est de Ellie Graham. Oh, voilà. De poche, floc. Voilà. Le seul. Je suis pas fan de cette couverture. Ça va parler de famille. Je ne sais plus de quoi. Parce que j'espère que. Tantôt, j'ai essayé de monter le vlog de la. Je sais pas si je l'ai pas fait. J'ai un doute maintenant si je l'ai fait hier ou pas. Parce que hier, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, j'ai fait un truc pour la chaîne qui m'a pris 3 heures. Du coup, ça m'a pris un moment que vous allez voir bientôt. Voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Enfin, soit. Que j'avais montré dans le. J'ai ouvert la cup hier. J'ai reçu la cup hier et je l'ai ouvert. Je sais pas si je l'ai montée ou pas, mais si elle n'est pas montée, je vais le faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de travail aussi pour la chaîne. Du coup, ici, on va suivre. Enfin, Zoé, c'est la sœur de Dalton. C'est la meilleure amie d'Adrien. C'est a l'air compliqué. C'est ça que je ne sais pas vraiment où je veux m'embarquer dans ça. À qui s'attend Vic? Voudrais bien la voir mariée à 30 ans à peine. Elle a monté sa propre entreprise de traiteur avec Sally, son assistant devenu ami qui aime bien Donald. Elle n'écoute jamais les conseils de Franck, sa mère ou de Nana, sa grand-mère adorée. Mais elle se confie le soir à son chat, Suzy. Simon de la vie et Zoé n'est pas compliqué, encore moins quand elle rencontre Mathieu Zingling. Les critiques gastronomie. Ah, hier, j'arrivais pas à le dire, aujourd'hui, j'arrive. Gastronomie. Je sais pas pourquoi, mais le plus influent de New York. Un type parfait. Imbuvable qui semble bien décidé à mettre sa cuisine en épreuve jusque dans la moindre détail. Voici les comédies 100% New York, sexy et efficace. Les chasses croisées, amoureux comporteraient port par le dialogue vif et des respects. De rhume, pas les mille et de rebondissements relevés au zéro, des carrières au caractère volcanique, un roman d'amitié, d'une histoire familiale, de passion horrible, et si Elisabeth Bonnet était récatée au 10e siècle, je crois que ça, dans une jeune cuisine américaine. Ça a l'air un peu cafouillage, je trouve. Voilà. Et c'est écrit petit, il n'y a pas beaucoup de marche. Voilà. J'aimerais bien me le faire plus vite possible aussi, mais j'en ai un autre qui me plaît encore plus. J'en ai plein pour le moment qui me tentent. Et je ne sais pas quoi choisir. Mais j'ai toujours dans ma lecture. Hein. Je vais vous montrer après parce que j'ai bien avancé hier. Du coup, j'ai reçu de la même créati. Je ne sais pas, j'ai mis sa carte. Elle est là. Je vous la remontrerai. Hop, comme ça, je la chope. J'ai reçu ma belle pochette qui sent la menthe. De fée clochette, je vous le montre de plus près. Voilà. J'ai des poils. Mon chat s'est déjà couché dessus.
Mon chat t'aime bien parce que à chaque fois que je reçois une pochette, il va dormir dessus. Je voulais vous montrer la deuxième que j'ai reçue. Je crois que c'était vendredi ou jeudi que j'ai reçu, mais plus moyen de mettre ma main dessus. Et je ne sais pas où j'ai foutu. Je suis occupée à ranger tout, du coup, je perds toutes mes affaires. Du coup, je voulais montrer cette pochette. J'avais pas terminé. Bon, c'est le même derrière. À l'intérieur, c'est noir et c'est mat tassé. J'aime bien. Je suis fan de cette pochette. La preuve, elle est déjà pour ma. J'ai changé. J'avais pris la avec les têtes de lion et tout ça que je vous ai montré dans le vlog précédent samedi. Et mais j'ai changé. J'ai pris celle-là. Voilà. Du coup, c'est toujours cette créa. Allez voir. Elle est trop sympa. Voilà. Hop. Par contre, si tu passes par ici, si tu fais un talkback de cette. Ça, dis-le-moi directement parce que je te le prendrai avec plaisir. Bon, passe-moi-ci. Mais si tu le fais pour le mois prochain, dis-le-moi, parce que je t'en prends. Même si tu fais un grand comme ça me plairait bien. Voilà. Je suis pas difficile, hein. Mais moi, la fée clochette, voilà. Du coup, je voulais parler de ma lecture en cours. J'ai bien avancé hier soir. Je crois que j'étais à 100 hier, quand je vous ai parlé. Je suis à 154. Je suis bien lu, j'ai lu 50, 5, un peu plus de 50 pages. Voilà, c'est toujours ma lecture en cours. Love in lingerie. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est compliqué à expliquer parce que c'est seulement maintenant qu'il y a des trucs qui se passent. On est à 150 pages, quoi. On va suivre deux personnages. Je ne sais jamais les noms. Une femme et un homme. Je crois que c'est lui qui tient la boutique de ouais, Marc, je crois que c'est comme ça. Qui tient sa boutique, mais il a des soucis financiers. Et du coup, il va. Cette jeune femme va venir pour essayer de redresser ça. Et elle va faire le gros du boulot, quoi, on va dire. Ici, enfin moi je suis, voilà. Elle a un fiancé. Lui, je crois qu'il a personne. Non, lui, il a personne. Lui, dans ce qu'on peut lire, c'est un homme à femme. Il va de droite à gauche, voilà. Du coup. Ces deux personnages qu'on suit, l'homme et la femme, ils ont un désir. Enfin, il y a. Comment dire? Un truc qui se passe entre eux. Il y a le désir de. Vous savez ce que je veux dire, quoi. Mais elle n'ose pas parce que déjà, elle est fiancée. Lui, il essaye par tous les moyens des petits trucs, des petites attentions. Par exemple, elle demande un truc qu'il est au PC, il se met près d'elle, il touche sa main tout doucement, gentiment, mais elle se dit qu'elle va pas, comment dire, se tenter à cette relation parce que les rumeurs, c'est un homme à femme, c'est un cours de jupon. Elle dit, moi j'ai pas envie de ça, elle veut une relation sincère. Voilà. Voilà pour le petit début. Et ici, moi, je suis en train de lire. En fait, ils sont partis en voyage. Enfin, c'est pas un voyage, hein, c'est un voyage de. Ouais, c'est un voyage, mais. Il y a mon chat qui est en train de vous sentir derrière. Professionnel pour du travail. Pour que la. Je sais pas c'est quoi encore le nom de la société. Enfin, pour la société fasse une. Rachat, enfin un achat de vêtements lingerie et voilà, et il y a des trucs qui se passent là. Lui va déconner comme toujours.
C'est un... Dans ma femme, du coup, vous pouvez voir, comprendre un peu ce qui va se passer. En fait, c'était un couple qui vient pour discuter de tout, du dossier, quoi. Et comme on peut comprendre que lui, il a déjà eu un truc avec cette femme-là. Et si eux, ils voudraient bien que son mari, enfin c'est leur mari, pas son mari, fasse une commande sur les lingeries. Parce que si c'est une commande, c'est des millions, quoi. Du coup, voilà. Et ils vont faire plein de choses. Ils vont jouer au blackjack. Et il y a des trucs qui vont se passer. Je ne peux pas vous en parler plus. Pour le moment, moi, qu'est-ce que je peux vous en dire? J'aime bien. C'est addictif. J'y avais pas envie de le lâcher hier, la preuve. J'ai bien lu. Ça m'arrive pas souvent de lire comme ça. Là, je vais commencer à continuer à lire. À lire. Parce que j'aime bien la plume est fluide, elle passe facilement. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insultes. Bon, maintenant, il y a des trucs un peu plus arc. C'est un livre que je conseillerais pas au moins de 18 ans. Allez. Même si pour le moment, mais je suppose que ça va arriver. Pour le moment, il n'y a pas ce truc de sexe, rien du tout. Il y a juste que lui fait des fantasmes sur ses rondeurs. Parce que c'est la personnage qu'on suit, elle a l'air d'avoir des rondeurs sur ses fesses. Voilà, il dit des trucs qu'il aimerait bien caresser les parties de son corps. Mais il n'y a pas. Ils n'ont pas encore couché ensemble, du coup, il n'y a pas les détails encore. Enfin, je ne sais pas, comme je suppose que ça va arriver. Ça, je vous en dirai un peu plus par après. Ouais, il n'y a pas encore ce truc-là, mais je ne pense pas qu'il faut le laisser dans les mains de tout le monde. Parce qu'ici, c'est pas marqué l'âge de... Je ne sais pas, il n'y a pas marqué... C'est assez... C'est pas cru, mais c'est comme un homme peut faire dans la rue. Hein. Oh, j'aime bien son petit cul, j'aime ci, j'aime ça. Mais lui, ici, ça approfondit un tout petit peu, pas des masses. Comme toucher son corps, il a envie de, voilà, de l'embrasser, de toucher ses lèvres, sentir la douceur de ses lèvres, par exemple. Voilà, mais voilà. Je sais pas ce qui va se passer après. Je vous en dirai un peu plus quand j'aurai continué à lire. Je pense que si je me tiens bien comme j'ai fait hier, 2 jours, il n'y en est plus. Et après, il faudra changer ma prochaine lecture. Je crois que j'ai une idée. Mais voilà, je vous montrerai peut-être à plus tard. Il y en a un que tout le monde en parle et il me tente vraiment bien. Mais pareil que c'est pas, c'est triste. Je le prendrai tantôt, peut-être, en revenant. Parce que là, je vais bientôt partir. Je vais aller voir pour le cadeau de mon papa, en fait. Voilà. Le 2 mars, c'est son anniversaire. Et du coup, il faut que je trouve un cadeau. Mais ici, on a dit qu'on allait faire un cadeau groupé. Son imprimante pour le PC vient de tomber à Hachette, morte. Lui a rendu l'âme hier. Et du coup, il a dit à ma mamie, et pourquoi pas lui offrir une imprimante. Du coup, je vais aller avec lui voir, parce que moi, j'aime mieux que la personne voie son achat, parce que moi, j'ai acheté une plus grosse imprimante, parce que moi, je voulais qu'elle fasse Wi-Fi, je voulais qu'elle fasse scanner. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Je sais faire les petits, enfin, les feuilles normales. Les grandes feuilles et les photos. Comme ça, si j'avais envie de faire des photos, je sais faire. Voilà quoi. Et ça, j'ai pas de problème. C'est mon imprimante. Elle m'a coûté un peu plus cher. Mais du coup, je vais aller voir où moi j'ai acheté celle-là. Et parce que je lui ai parlé que les cartouches, c'était reconditionné. Et les cartouches reviennent moins cher, quoi. Voilà. Du coup, il va aller voir.
Même si l'imprimante vous... Enfin, l'imprimante... Parfois, c'est un peu plus cher. Moi, j'ai payé un peu moins de 200 euros. Hein. Mais elle vaut le coup, quoi. Voilà. Et puis, moi, j'imprime toutes les semaines. Maintenant, avec l'école, je réponds encore une fois par semaine en plus. Voilà, quoi. Bon, sur ce, j'ai envie d'aller me plonger là-dedans. Je me suis levée ce matin. Enfin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, maintenant, je vais déjeuner. Je vais faire ce qu'il y a à faire pour m'apprêter, me préparer. Et je me mets dans le fauteuil et je bouquine. Pourtant, j'ai ma vaisselle à faire d'hier soir. Mais la seule chose que j'ai envie, j'échappe mon œil, me plonger dans ce bouquin. Dans ce bouquin. Ça, c'est bien addictif. Voilà. J'espère de le terminer vite pour vous en parler. Allez, je vous laisse. On se retrouve plus tard. Si j'oublie pas, parce que hier j'avais dit que je vous reprendrais, je vous ai pas repris. Mais enfin, hier, comme je vous ai dit, je me suis mis au PC et j'ai fait ma chaîne. Enfin, j'ai préparé un truc pour ma chaîne. Mon intro. J'ai essayé de faire une intro spéciale. Voilà. J'avais commencé. J'avais réussi un intro qui me plaisait bien. Mais elle dure 20 minutes, mon intro. Et je crois pas que. Ça vaut la peine 20 minutes d'intro, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve peut-être plus tard. Hello, mes petites lucioles. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends le vlog. Aujourd'hui, on est le 18 février. On est jeudi. Voilà. Et je voulais vous parler de quelques trucs. Oh, j'ai oublié mon bouquin. Il est là. J'irai le chercher après. Avant ça. J'ai quelques petits trucs. Je me suis pris le poids des sentiments. J'ai publié chez RB, romance par MM. C'est une romance MM. Voilà. C'est de Nord Valka. Voilà, le nom, c'est bizarre. J'en ai tellement entendu parler. Ils me tendent vraiment bien. On va suivre deux personnage après si je me rappelle bien, vous voyez le soleil qui me tape dans la figure. On va suivre ce jeune homme qui est enrobé assez fort. Voilà, il est en couple avec quelqu'un, mais la personne qu'il est en couple, il va se séparer. Il râle parce qu'il a du poids et du coup il se dit qu'il est temps d'essayer de changer tout ça, et du coup il va faire du sport. Et du coup lui c'est le coach sportif de, je sais pas son nom, quand je l'aurai lu je le saurai. Et si j'ai bien compris, il va avoir une petite histoire entre eux, je sais pas comment, mais ça me tente bien. Et c'est écrit assez gros, voilà. Du coup je pense que celui-là il va pas trop traîner. Après, je me suis pris un autre livre qui me tentait bien, que j'avais vu passer sur Facebook. Le nom me plaisait bien. Du coup, je me suis pris, il est beau, c'est le tome 1. Il vient de sortir à la fois. C'est Love Stock, nouvelle édition. C'est de Marie Agi. Je ne sais pas son nom. Voilà. Je n'avais même pas vu le résumé, mais il me tentait bien. Du coup, je vais lire un peu le résumé. Elle ne savait même pas qu'elle avait des rêves jusque-là. Épuisée par la vie, Rose passe désespérément tout son temps à battre sa vie, à se convaincre qu'elle-même et que ça vaut la peine d'obtenir par le bien-être de son fils, prête à tout pour conquérir un semblant de bonheur selon les règles des autres. Elle ne l'attend pas à ce qu'une simple rencontre tellement de ses objets et redonne un espoir à son cœur débattu. Morgan, c'est un homme aussi sexy qu'opéré, option de toutes les stabilités qu'elle recherche. Était
Pas dans le plan, cependant, impossible pour elle de passer à côté de cette pianiste sans y arrêter, sans le laisser s'endorser par tout ce qu'il lui offre. Entre la raison et la passion, arrivera-t-elle à choisir? Vu qu'il y avait, je crois que c'est 6 tomes pour ceci, livre-ci. Du coup, voilà. Ça me fait un peu peur parce que me lancer dans 6 tomes, déjà 4 parfois ça me prend la tête, mais 6. Mais maintenant, est-ce que ça peut être chouette? Il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, je le me supprime. Et on va voir ça. La dernière chose que je me suis pris, je vais déballer parce que comme ça on voit pas. C'est des beaux marque-pages. Du coup, je me suis pris des petits marque-pages. Voilà, avec une plume. Et en fait, il y a la plume comme ça, avec la boule rose. Il y a comme ceci, avec. C'est argenté. Enfin, c'est. Avec la boule jaune. Il y a celui-ci avec la boule bleue. Il y a celui-ci encore avec une jaune. J'ai deux fois ça. Ah bah ouais, en fait, je l'ai. Celle-ci aussi avec le bleu. Et celle-ci avec le rose. Ça va trop bien donner. Je vais pas tous les balayer. Je vais juste faire le bleu. Ouais, comme ça donne. Hop. Si vous le mettez. Hop. Dans un bouquin. Ouais, là j'aurais dû aller plus loin dans le bouquin parce que toujours le début c'est compliqué de le mettre. Non, si le bouquin est trop gros, je sais pas pourquoi. Si, il faudrait que je marque un marque-page. Ouais, celui-ci va pas. Du coup, je reviens, je vais chercher juste ma lecture en cours. Du coup, voilà, je viens de le mettre à ma lecture en cours. Voilà ce que ça donne. Il est mis dedans comme ça. Hop. J'aime bien ce que ça prend. Parce que pour le moment, j'avais celui-ci. Du coup, je vais vous parler de toujours ma lecture en cours. J'avance doucement, mais sûrement. J'ai lu un petit peu hier soir, mais pas des masses. Je suis à 174. J'aimerais bien avancer. Je pense que je suis à la moitié maintenant. Ouais, je suis à la moitié. J'aimerais bien le continuer. J'ai pas lu beaucoup ce week-end. J'aimerais bien lire un peu plus ce week-end, mais qui va être compliqué. J'ai le soleil qui me tape dans la figure. Parce que monsieur, samedi, il y a Pokémon Go. Il y a un événement sur Pokémon Go. Du coup, voilà. Mais je vais essayer de lire là maintenant. Là, je vais aller manger. Regarder ma petite série en mangeant. Voilà. Et après, je crois que je vais me plonger dans mon livre. Et j'aimerais bien terminer ça. J'adore cette lecture. J'adore. Je ne vais pas vous en parler plus que ce que je vous ai déjà parlé dans le début du vlog. Voilà, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler et cette lumière me fatigue. Attendez, je vais fermer ça. Vous allez voir mon t-shirt de plus près. Hop! C'était un peu mieux. Ouais, voilà. Du coup, je vais pas trop vous spoiler, mais on suit toujours les deux personnages. Il y a toujours l'attirance. Moi, où je suis, elle avoue un petit peu tout ce qu'elle ressent pour lui. Mais lui, il veut pas parce qu'il a ses règles. Il veut pas être en couple avec un de ses collègues, parce que ça c'est le, je viens de perdre celui qui tient le magasin de lingerie, et lui ses règles c'est de pas coucher avec ses collègues de travail pour pas que ça foute la merde. Et moi je dis c'est, il a raison. Maintenant quand il y a l'attirance comme dans ce livre, franchement mais j'espère quand même que voilà, il va à un moment santé. Et elle fait des choses qu'il a pour l'attirer. Mais voilà, il est.
J'essaye de résister, qui est compliqué parce que quand on attire, quand on fait des trucs un peu près attirants pour un homme résiste pas. Mais lui va résister. Il résiste jusque maintenant. J'ai peur de casser ça. Il résiste, mais jusque quand? C'est ça le problème. Voilà, je vais continuer ça après avoir mangé. Voilà, j'ai peur. Mais j'adore cette lecture. Pourtant, je me dis, ça va aller vite, mais là, c'est vrai que ce week-end, j'ai pas lu. Quand j'ai eu le gamin à la maison, je me suis occupée de lui, j'ai pas lu. Mais il aurait été plus vite lu que ça. Il faudra que je regarde aussi si je l'ai marqué parce que je l'ai commencé, je ne sais plus quand. Je sais que je l'ai commencé dans le vlog passé. Je crois que je l'avais commencé le jeudi. Du coup, il faut que je regarde si je l'avais marqué. Parce que moi, je marque dans ce carnet-là. Il est trop beau. Quand je commence un livre et que je le finis. Voilà, je sais pas si je l'avais marqué. Non, je ne l'ai pas marqué. Du coup, il faut que je le marque. Je vais faire ça aussi après. Voilà. Et vous, je sais pas si oui, je vous les ai déjà montrés en fait. Bon, je vais pas marquer un hein, que j'ai déjà écrit. On va aller plus loin. Vous voyez, là, vous pouvez mettre la photo. Vous savez mettre le titre, sous-titre, le tome. Sur combien? Si c'est un hoc, choc, je sais pas comment ça se dit. L'auteur, l'éditeur, la date de parution, le genre, la page, lu en VO ou VF, e-book ou papier. Si c'est un achat, attendez, hein, que, achat cadeau SP ou emprunté, la date, vous pouvez mettre la date, le rendu, comment c'est, nanana, le fini, nanana, la citation que vous voulez, enfin la citation, j'ai aimé, trois petits points, enfin vous avez les trois petits points, vous marquez trois choses que vous avez aimées, les trois choses que vous n'avez pas aimées dans votre lecture. Et votre avis, et à la fin, vous marquez, enfin, vous cochez si à relire, relu, j'ai recommandé et la note que vous lui mettez. Voilà, moi j'en ai quand même pas mal, hein, j'ai pas mal. Bon, moi j'écris pas toujours dans les. Là, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Voilà, là j'ai écrit, vous voyez, là j'ai écrit au crayon, j'ai écrit ce que je pensais. Voilà. Et alors vous avez aussi les autres trucs, d'autres pages où il y a les auteurs favoris, vous avez mes favoris, ma wishlist, ce que j'avais commencé mais j'ai pas fini de compléter, les éléments littéraires que vous pouvez mettre aussi pour suivre. Voilà, enfin. Ouais, voilà. Les mots, mes mots, moi j'ai marqué un peu les personnages et tout ça que je voulais suivre. Là, vous avez le truc de bibliothèque que vous pouvez cocher. Voilà. Il est trop chouette. Les idées de livres à offrir. Conseils par une amie. Voilà, vous voyez, vous savez faire plein de choses dans ce livre. Et vous avez même le catalogue. Enfin, le. Hop. Je l'avais acheté sur Amazon. Vous marquez mon petit carnet de lecture et vous le trouvez facilement. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire. Par contre, je vais regarder après. Je vais faire ça début de soirée ou demain après-midi. Je pense que je vais regarder pour ce vlog parce qu'il a l'air très court. Je vous ai pas pris lundi, je vous ai pris que 12 ou 13 minutes tous les jours le matin. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Je suis chez moi, je n'ai pas bougé le reste de ma journée parce que. Voilà, je vous ai dit, hein, mardi, j'étais donné un coup de torchon chez ma mamie, comme elle est Natelle Plâtré. Hier, j'étais chercher, enfin, on a fait les magasins avec mon papa pour trouver son cadeau d'anniversaire. Et j'ai passé toute la journée avec lui, du coup. Mon copain est venu me rechercher chez lui. Parce que j'étais, voilà. Puis j'étais manger avec lui chez ma mamie. Moi, j'ai mangé une tartine, lui a mangé son repas chaud. Et puis je suis repartie chez lui, j'ai vu continuer son DP parce qu'il avait commencé un DP et il lui restait quelques lettres, mais il trouvait plus à la longue d'être toujours dessus. C'est comme moi quand à la fin je demande à mon chéri de regarder en fait. Et du coup j'ai terminé ça. Mon chéri est venu vite lui installer son cadeau d'anniversaire.
Parce qu'il a trouvé. Enfin, on lui a. Enfin, il s'est payé. Enfin, lui, il s'est payé parce qu'on va lui donner chacun, enfin, chacun une enveloppe d'une somme qu'on veut pour son cadeau d'anniversaire. Et il s'est pris une imprimante, je crois que je vous l'ai dit au début. Je crois que je vous l'ai dit. Son imprimante a lâché. Et en plus, il est déçu parce que les soldes viennent de se terminer à l'instant. Et du coup, voilà. Et hier aussi, j'avais fait une photo d'un écran d'ordinateur pour monsieur. Il était à 199 euros. Et quand monsieur est venu me chercher, il me dit, oh, je voudrais bien aller voir l'écran pour voir comment il est de sa vue, quoi. Parce qu'une photo, c'est pas toujours la même chose. Et du coup, il a été voir et le prix a doublé. J'ai été vers 10h, ouais, à 10h, j'étais au magasin à Mediamarkt. Il était à 199 euros et quand je suis retournée vers 4h, 4h, 4h30, il était à 299, un truc comme ça. Il avait monté de 100 euros. Du coup, voilà. Du coup, il était un peu râlant parce qu'il dit à ce prix-là, c'était pas un écran très cher. Il était bien, c'était un bon écran, c'était un MC, je crois que c'est ça, comme son PC. Mais là, du coup, on n'a pas pris l'écran, enfin, on a juste regardé, il n'a pas pris l'écran, ce prix-là. Amazon, il est même à 185, je crois qu'on a regardé. Franchement, ça vaut pas la peine de le prendre à ce prix-là. Bon, c'est pas pour ça que je prendrais sur Amazon, hein, mais voilà, quoi. Je disais qu'Amazon était encore moins cher, quoi. Du coup, voilà, on attendra les prochaines soldes, je pense. Voilà. On aimerait bien, tous les deux, c'est pas encore le cas, mais on aimerait bien un écran courbé, hein, tous les deux. Et moi, j'ai pas beaucoup de place parce que là, j'ai la télévision que je mets mon PC, enfin, qui est mis avec mon PC, mais on regarde le soir la télé dessus, du coup, il est relié avec mon PC parce que quand on regarde un film. À la place de regarder sur la petite écran de je sais pas combien de pouces, ma télé fait plus grande du coup on met sur la télé, je coupe l'écran de mon ordinateur et parce que vous êtes là, vous êtes derrière des deux, hein. Voilà, comme ça on est bien et le lit est là du coup on est bien pour le regarder. Voilà, j'ai raté une LC, ouais, une lecture commune si vous savez pas. J'avais le livre en plus, un livre que je voudrais bien lire, mais je l'ai raté, du coup, tant pis. Comme ils ont commencé le 15, on est le 18, ça fait beaucoup. Et je crois que c'est 5 chapitres par jour, du coup, ça fait pas mal de chapitres à récupérer. Je n'arriverai pas, du coup, tant pis, pour la prochaine fois. Bon, sur ce, je vais aller manger, regarder ma petite série et juste après, bouquiner, parce que je fais ce que j'avais à faire de ma journée. J'ai fait ma vaisselle qui était en retard. Parce qu'à la base, hier, je pensais aller avec mon papa chez MediaMarkt et Bureau Vallée et revenir. Et j'aurais fait ce que j'avais à faire. Mais j'ai pas eu le crédit quand je suis rentrée. Il a passé 4 heures. Il était même 5 heures, je pense, quand je suis rentrée. Et du coup, voilà. J'ai pas eu le temps de faire ma vaisselle. J'ai fait ce matin. J'ai fait les litières de mes loulous. J'ai fait quoi d'autre? Ouais, j'ai encore un truc à faire, mais que je ferai plus tard. J'ai pas envie là maintenant. Là, j'ai mal au genou en fait. C'est ça qu'il y a. Aujourd'hui, j'ai une grosse douleur au genou. J'ai pas rendez-vous avant le 10, 12 mars pour mon genou. Voilà. Je vous avais dit, j'avais été pour mon genou et qu'il pense avoir quelque chose à ma rotule. Le seul truc que j'ai moins mal, c'est quand je marche un peu plus. Comme ici, je reste chez moi et que je fais des petits allers-retours. J'ai mal. Du coup, je sais pas c'est quoi, mais j'ai rendez-vous le 12 au soir, passé 4 heures. J'aime pas aller au soir. Du coup, voilà. J'ai rendez-vous le 12 à 4 heures pour voir mon genou. Je vous en tiendrai informé si ça vous dit. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller manger mes petites cracottes avec du pâté, je pense, et du chèvre. Ouais, je vais faire ça. Un des deux. Enfin, deux cracottes au chèvre et au pâté. Voilà, allez, moi je vous laisse et je vous retrouverai plus tard. Si je sais, je vais essayer de vous reprendre quand j'aurai lu un petit peu plus dans ma lecture. Voilà, à tantôt. Bonjour ma petite seule.
J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous voyez, j'ai une tête fatiguée. Je reprends dans ce vlog parce que j'ai pas eu le crédit aujourd'hui de vous parler. On est vendredi 19 février. Je suis fatiguée. Voilà. On voit ma tête. Du coup, j'ai pas grand-chose à vous parler parce qu'aujourd'hui, j'ai profité après-midi d'aller me promener. Ça nous a fait du bien, ça nous a changé les idées. Aller au parc. Voilà. Oh non. Oh. J'ai perdu ma page. Oh, il est où mon truc? Oh, caca boudin. Je crois que c'était là. Oh, oui, c'est ça. J'ai trouvé ma page. Il faut que je remette un marque-page. Je voulais vous montrer. Je vais mettre tout de suite un truc. Je suis toujours dans ma lecture en cours. J'aimerais bien la terminer. Je pense que je vais essayer de se terminer ce week-end. Je vais garder dans mon sac où il est mon marque-page. Je suis tout tombé en même temps. J'ai lu hier soir, ce matin, j'ai lu quelques pages avant d'aller chez ma tantine. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, il me reste plus des masses, je crois qu'il reste une... Deux... Je n'étais pas à 200, ça m'étonnerait. Enfin, faut que je regarde parce que là, ce que je vois que les dernières pages, ça se ressemble. Enfin, je vais regarder où j'étais. J'étais bien avancée, je vais regarder après parce que là, j'ai perdu ma page, je viens de mettre au hasard. Mais j'étais pas à 200. Je crois que c'est une. Transport de son lit, elle se réveille facilement pour réveiller. J'ai un doute là. J'ai un doute sur ma lecture. Ce que je voulais dire, j'aime toujours autant. C'est addictif. Hier, je me suis presque endormie dessus. J'ai arrêté parce que j'étais fatiguée. Pour pas. Ce matin, je suis tombée là. Ce matin, j'avais pas non plus envie d'arrêter. Mais j'étais obligée, je devais aller chez ma tantine. Non, parce que j'ai arrêté dans le milieu du chapitre. Et je réfléchis en même temps. C'est addictif, ça donne très 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 envie de continuer et d'avancer. Du coup, je vais essayer de... Enfin, je revenais ici pour vous parler et conclure le vlog parce que il faut que je l'insère demain. J'aimerais bien le terminer. J'espère que le terminer ce week-end. Je vous reprends, je ferai un nouveau vlog, je sais pas, demain peut-être, je sais pas. Voilà, parce que j'étais en train de le monter et je me dis, c'est vrai que j'ai pas, vous ai pas repris aujourd'hui et j'ai pas conclu le vlog. Là j'ai 44. Ça va être une petite courte. Enfin cette fois-ci ce sera une courte parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Du coup voilà. J'ai rien de spécial à vous dire. Je me suis promenée aujourd'hui, ça m'a fait du bien. J'ai profité de prendre l'air. Moi, ouais. Je suis fatiguée. J'ai mal partout aujourd'hui. Parce que quand vous êtes... Enfin, j'ai déjà mal au genou de base. En plus, cette nuit, j'ai eu des crises de douleur dans le... dans le bas. Dans le haut. Enfin, au ventre. On va dire, bon, j'aurais plus facile. Et ce matin, enfin ce matin, dans la matinée, j'ai mes petits monts sont arrivés. On va dire ça comme ça. Et voilà, du coup, ça me fatigue. J'avais des nausées au matin, au matin, dans la matinée. Puis ben, je suis rentrée, j'ai fait à manger. On a mangé et on est parti au parc se promener. Du coup, j'ai pas encore lu. Là,
J'ai regardé quelques vidéos, j'ai regardé mes deux séries maintenant. Et là, je faisais le montage en même temps de regarder. Ben, du coup, je vais finir le montage, l'uploader et essayer de la mettre pour YouTube pour demain vers 10h. Du coup, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous reprendre demain matin ou demain après-midi, je ne sais pas encore, dans un nouveau vlog ou lundi, je ne sais pas, je verrai mon humeur de demain. Voilà, mais sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous plaira pour le peu que je vous ai pris. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Allez, checker ça. Venez me rejoindre. Me parler de vos lectures dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.